Hey! Aujourd'hui, avec Emma, on vous retrouve sur notre nouvelle chaîne. C'était notre projet secret, on en parle depuis un petit peu janvier. Voilà, c'est une nouvelle chaîne, donc Emma va vous expliquer un peu de quoi ça parle. Donc c'est une chaîne lifestyle, donc avec des tags, des challenges, et il y aura aussi plein d'invités et youtubeurs. Voilà, c'est une chaîne un peu collaborative avec plusieurs personnes. On vous invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et vous abonner à la chaîne. Et si vous avez des idées de tags, de challenges ou même des idées de youtubeurs avec qui on pourrait faire des vidéos, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Voilà, et on va se retrouver de suite pour le premier défi et ça a l'air d'être un peu... Je suis pas prête. Voilà, mais c'est parti. Donc pour le mixture challenge, alors en fait on va nous poser une question. La plus rapide qui répond, elle tire au sort un petit papier. Donc il y aura un des noms des ingrédients ici, elle devra le mettre dans le verre de l'autre. Et à la fin on va tout mélanger et celle qui aura perdu elle devra boire. Let's go. Comment s'appelle la fille aînée des Simpsons? Lisa. Je n'ai pas le temps d'écouter la question. Alors tu mets dans ton verre, dis donc, de l'oignon hein. Ah c'est ça là. Tu kiffais tout à l'heure. Ah ouais. Tu peux sentir. Ça sent bon, non? Bah ça sent bon quoi. Ouais moi j'aime bien. Ça sent la... tout bien dans la salade. Attends c'est moi qui le mets en fait. Bah vas-y ouais. Non je te bisoute pas trop parce que... Ça va ça? Ça va oui. C'est correct? Ouais. De toute façon je veux pas trop être méchante parce qu'après si tu réponds tu... Je ferai pareil, t'inquiète. C'est ça. Où se trouve le Big Ben? En Angleterre? Putain, j'ai trop bugué, mais genre trop bugué, mais vraiment. T'as dit quoi? Rien. Après, il y a un petit truc barré que j'avais écrit. Raison. Ça va, ça c'est bon. Hein. Avec la sauce kebab, peut-être un peu moins. J'en mets trop parce que. Dans du vin. Qui était surnommé le roi soleil? Louis XVI. Louis XIV. Putain, mais je suis sûre que tu savais même pas que c'était un Louis. Mais c'est passé du yop. Oh non. Bah ça va. Ça fait vanille raisin. Ah c'est vrai. Putain, un numéro près là, je sais tout. Tu as fait des trucs. Merci. Le liquide. Oh c'est dégueulasse. Tu as dû... Oh ça va, mélanger ça fait un peu. Qui est l'auteur de la fable Le Corbeau et le Renard? Ah, Fontaine. Égalité, on va dire qu'il y a égalité. Donc les deux vous mettez un truc là. Ok. Avocat. Mais c'est encore raison. Mais ouais. Mais du coup c'est pas de chance, c'est la faute à pas de chance. Ça se fait pas. J'accepte plus les règles du jeu. Allez, je t'en mets pas beaucoup. En plus j'ai perdu le bouchon. C'est même pas une mixture toi, c'est du... Ouais. C'est du solide. C'est une salade quoi. Une salade. Ah mais grave. Quelle est la formule chimique de la molécule d'eau? H2O. J'ai jamais le temps de réfléchir, tu sais genre... La sauce kebab. Ah là ça va être bon. Ça a l'air grave bon quand même. Ouais ça, ça a l'air bon. Non elle est pas bonne. Ça... C'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci Emma. Oh, ça fait du sang. Complétez ce proverbe, c'est la goutte qui fait déborder. Le vase. Mais non. Et kebab aussi. Ah oh non, ça a l'air un de ces trucs. Mais pour l'instant, ça a l'air bon ton truc au final. Ouais. Oignon, avocat, sauce kebab. Comment dit-on bienvenue en anglais? Welcome. je suis vénère là. Je suis désolée, mais c'est un 9. Ah non. Je croyais que t'aimais bien les deux. Bah ouais, mais pas ça, quoi. Il est pas très beau. Un petit peu. C'est un peu. Promis, je te mets pas de la coquille. Ça remplit limite tout le verre. Ça me dégoûte. Je pense qu'on va vomir à la fin, c'est juste pas possible. Prête pour la question suivante? Ouais. Dans la mythologie égyptienne, qui est le dieu soleil? Ra, Osiris ou Anubis? Ra. Ça dit au fil? Non. Cacao. Ah, j'ai eu... Non, non la sauce, non la sauce kebab, il y a juste la sauce kebab qui va plus. Tiens. Ah il est bizarre. C'est du cacao à la fraise. Wow. Ça découvre la vie, tu sais. Du cacao à la fraise. Vraiment j'aimais. Genre le truc de la sauce kebab, mais ça me fait vraiment la gerbe de le voir flotter au-dessus. Hein. Bah et puis mon œuf. On remue tout là-bas.
Montouille. Qui est l'héroïne de Notre-Dame de Paris? Esmeralda. J'allais dire Quasimodo. Kebab. Oh non, mais j'en ai déjà eu en fait. Tu veux que je change? Bah non, je t'avais remis le raisin. Ouais, ouais. Voilà. C'est comme tu veux. Après là, c'était pour toi, hein. C'était parce que c'était pas un truc cool. Ouais, mais je peux tomber peut-être sur pire donc. Si je retombe sur un œuf, tu vois. On va éviter. Qui a mis le premier pied sur la lune? Armstrong là. C'est gagné! Neil Armstrong. J'allais dire Christophe Colomb. Coucou. J'ai entendu le premier pied, tu vois, j'avais pas fini la question que j'étais chaud pour la suite là. Avocat. C'est trop bon ça. J'ai réussi à le croire. Combien y a-t-il de joueurs dans une équipe de football? 7, 12, 15, 18, 16, 11, 10, 11. On a tout fait, tu sais, genre. Non mais raisin. Je suis dégoûtée. Mais plus t'en rajoutes, plus ça me fait de boire, hein. Donc, Ouais, mais bon. Non, mais c'est. T'as dire quoi? Un truc qui flotte vert, là. Vas-y, moi je vais te rajouter du vinaigre, je sais pas, un œuf. Ça va pas, mais... Du coup, avant la dernière question. Comment s'appelle l'assistant de Sherlock Holmes? Oh, putain. Franchement, je sais rien. Si. Moi je sais pas. Ah, putain. Putain, je regarde en plus. Watson! Moi je regarde. Ça va. Du raisin. Allez, tu raisins, tiens. Ça passera le coup d'un truc, je pense. C'est juste parce que tu fais pitié avec nous. J'ai vraiment beaucoup de peine pour toi, tu vois. Bon, on en fout partout. Ah non, regarde la tête du... Tiens, on dirait... Ah, on dirait un asticot. On dirait un... Tu sais, genre le truc de cerveau, tu sais... Oh, merci pour la petite. Dernière question. Comment fait-on un animal qui se nourrit exclusivement de végétaux? Herbivore. Je vais dire végétivore, n'importe quoi. Les Pokémon. J'aime pas les Pokémon. Même Rondoudou? Je connais pas, je regarde. C'est pas. Vrai? Je connais Pikachu. Balsamique! Avec l'œuf, ça va bien. Bah ouais, ça fait salade. Bah avec l'avocat aussi. Hein. Ouais, franchement, c'est et toi, ça... t'as eu que du. Ça va, franchement. L'œuf, c'est juste l'œuf. Ça va, tu veux le voir par me place? Non. Je pense que là on a terminé et qu'on va pouvoir. Vraiment, je suis pas prête. Hein. Juste. Je n'ai pas très faim. Bon, du coup, on a mis dans des verres transparents pour vous montrer un peu. Alors, moi, c'est un peu tumbler. Toi. Non, moi, c'est complètement dégueu. Du coup, moi, j'ai raisin, avocat et kebab. Et yop. Yop à la vanille. Et Nesquik à la vanille. À la fraise. Fraise, pardon. Moi j'ai de l'avocat, la sauce kebab, le vinaigre balsamique, les... Ah j'ai oublié, les oignons et un œuf. Je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. J'ai presque tout. Ah j'ai raisin aussi. Raisin aussi. Allez du coup on va touiller un peu. Faut que je casse mon jaune d'œuf en fait. Oh, mais non mais ton odeur... Ton... J'arrive pas à le casser. Est-ce qu'on peut le manger un peu? Genre l'avocat il... Faut l'écraser. Oh ça va pas se faire un cacao hein. Mon... On dirait que t'as, t'sais, t'as quand t'as la diarrhée un peu tu sais. Pardon. Ouais du coup on a... T'as quand même mis des petites bassines voilà. Parce que. Et ton truc il pue, mais. J'arrive Emma, pas mais... à casser l'avocat. Mais Emma, ça pue trop ton truc, hein. Oh non, c'est. Non, je peux pas avoir ça. Et sans le truc de moi. Ça sent vanille raisin. Oh, ça sent le kebab, hein. Un peu, ouais, y a une petite odeur. Non, je vais vomir, c'est obligé. Ah c'est obligé. C'est obligé. Oh, bah oui. Attends, on va te chiner, on va te chiner. Le kebab, elle fait des petits. On va te chiner. Non attends, je vais m'attacher les cheveux juste. Non mais vraiment je crois que je vais vomir. C'est l'impression qu'on va faire un foot. Allez, chill. Franchement ça va. Hein. Non. Moi je suis sûre que je peux le boire avant, tiens. Vas-y bois-le. Okay. C'est moi dans c'est le. Est-ce que c'est capable? Ouais c'est vrai. Est-ce que ça marche? Ça marche pas de se pincer le nez. Si ça marche parce que t'as pas l'odeur mais t'as les grumeaux dans la gorge là c'est. Bon je pense que là c'est bon, on en a assez fait pour aujourd'hui là. Là je pense que on le refera pas demain ça. Non. Non ça va. Si vous avez d'autres tags à faire avec de la bouffe, si ça vous intéresse. Il faut pas bien sûr ne pas jouer avec la nourriture. On précise jamais assez. Sans gaspillage. Et voilà.
Bravo. Bravo. Mais finalement, c'est moi qui ai failli vomir en round 2 quand même. Ouais, voilà. Voilà, on espère que la vidéo vous aura plu. On vous retrouve très bientôt avec des invités ce coup-ci. Ouais. Et avec d'autres choses un peu plus fun. Donc n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, c'est bleu, oui. Ah, et surtout à vous abonner si ça vous intéresse de suivre l'aventure. Voilà. Ciao.